Chambre, c'est un garçon. Tony aussi. La ferme. Et si c'était Tony, tu dirais pas non pour partager ta chambre. Qui est Tony? Alors toi, attention. C'est un copain dont elle est amoureuse. Non, c'est vrai, chérie. Tu arrêtes. Quand est-ce que tu me le présentes, ce copain? Je peux le rencontrer, moi, chérie. C'est d'accord, il peut dormir dans ma chambre. Cet ours ne dormira dans la chambre de personne. Il ira au grenier et vous verrouillerez tous vos portes. Je ne trouve rien sur un explorateur anglais parti au Pérou. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce qu'il a tout inventé. C'est tout à fait le genre d'histoire que votre mère est prête à gober. Oh, alors là, tu exagères. Non, il n'exagère pas. Je te signale que t'as ramené un ours errant à la maison. Hey, c'est super embarrassant. Tu aurais fait pareil. On se ressemble beaucoup plus que tu ne crois. Oh. Qu'est-ce que vous faites? L'orage est au-dessus de nous. Oh, vous et vos genoux. Une chose est sûre et certaine, Madame Bird, il ne va pas pleuvoir à l'intérieur. Oh non. Les premières gouttes. Monsieur Brown, vous êtes là? Oui, allô? Oui, plus que jamais! Non, ne me lisez pas les termes du contrat. Je veux que ça prenne effet dès que possible. Non, ne me mettez pas encore en attente. Paddington? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien. J'ai juste un petit souci avec les sanitaires. Un temps idéal pour les canards. Oh. C'était impressionnant.